Il est unique dans la région, un bus transformé en un poste mobile. Un outil de prévention et de sensibilisation réservé aux forces de l'ordre de la ville. À l'intérieur, les équipes ont accès au même dispositif que dans un commissariat. Ici, on a la partie police, donc avec deux écrans qui permet d'avoir les caméras, toutes les caméras extérieures de la ville. Et aussi si on a besoin de regarder les informations en temps réel. Tout ce qu'on fait au bureau de police, on pourra le faire dans le bus. Mais voilà, ce ne sera plus les gens qui vont se déplacer, c'est nous qui allons nous déplacer vers eux. Dans un premier temps, le poste mobile va se déplacer deux fois par semaine dans les cinq quartiers de la commune. Un projet à 150 000 euros que le maire estime visionnaire. Il y a des années, on a osé la création d'une police municipale, on a osé la vidéoprotection avec plus de 100 caméras pour une ville de notre taille, c'est assez considérable. Et le temps d'avance pour anticiper sur la suite, c'est le poste mobile de police municipale pour justement prévenir et non pas devoir agir. Prochaine étape, présentation du bus à la population. Il ira ensuite en direction des établissements scolaires de la ville pour une action de sensibilisation.